Dégoûté les gars, c'est incroyable en fait, défaite du Barça contre le Bayern, encore une fois, c'est pas possible en fait, tu vois, donc tu as vu les choix qu'il a fait, je trouve que Marcos Alonso, il a été, ça va, moyen, mais il était pas, en fait Marcos Alonso, on sait que dans, dans, dans tu vois, dans les, comment dire, dans la percussion, c'est pas comme Balde, Balde il est meilleur moi je trouve, hein, parce que Balde il percute en fait, je comprends pas pourquoi, tu as vu, il l'a pas mis en fait, il a pas percuté sur couloir, tu vois, laisse tomber. Et le Bayern, ils ont pas été ouf, hein, mais à chaque fois qu'ils ont des occasions, ils ont été plus efficaces que le Barça, quoi. C'est dingue. Donc voilà, quoi. Je, je comprends pas aussi la défense du Barça sur le but de Noura, c'est de Loura, Sané, Ils ont pas le droit. C'est pas possible. En fait, tu, tu prends un but comme ça. Comment un gamin, frère. Voilà, il est allé tout seul. il Stegen aussi. Donc il nous a sauvés. faut dire, enfin, il a fait quelques parades, sauvé. Ça, c'est un gros mot. Mais là, je trouve que la défense n'était pas elle était pas fou ce soir et ils ont fait beaucoup d'erreurs. Donc voilà quoi. Moi je trouve que Chabu il a fait une bêtise en fait. Il aurait dû mettre Koumbé dans l'axe au lieu de mettre à droite et en fait. Tu vois, c'est dommage. Tu vois Moi je trouve que c'est vraiment dommage. Et le Barça déjà, après là c'est que le deuxième mois de la saison, mais ils auraient pu faire mieux. Après un mi-temps, le Barça méritait de marquer. Les il a eu des occasions de marquer, mais là il ne les a pas finis. Comme par hasard, à chaque fois avec le Bayern il les finit, mais là il ne les, les finit pas. Voilà. Et Gavi, on sait qu'il est combatif et tout. Frankie Dion, il a été plus intéressant, moi je trouve. Il est rentré en jeu. Il a montré de l'envie. Il a été plus percutant. Et euh, il a déstabilisé un peu le. Voilà, on va dire les joueurs du, du, du Bayern. Donc derrière, Ousmane Dembélé, aujourd'hui, il est bien hein, Il faut dire la vérité. Même si quelque part, quelquefois, il a eu. Voilà, il est passé. Mais la plupart du temps, il a échoué. Donc Rafinha aussi aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, frère. Euh, il, il tremblait ou quoi il, a, il avait quoi Il avait le poilu il était incapable de, de, de passer, passer son vis-à-vis, -vis, en fait. C'est quoi ce délire D'habitude, il est là. Après, voilà, c'est face à des rival mon frère. On peut pas se. Jouer. Frère, là, c'est le Bayern. Pourquoi tu as peur, en fait Tu vois, vu comme tu sais jouer d'habitude, c'est pas possible. Il a pas il a, il a loupé tout ce qu'il a tenté aujourd'hui, Rafinha. Là, je ne comprends pas. Donc, tu as vu, aujourd'hui, je pense qu'il aurait dû mettre un tour en dessous de la reprise, en fait, en basculant des milles à droite. De toute façon les changements ils n'ont pas apporté grand chose en ce le Barça a des occasions il faut dire la vérité mais le Barça n'a pas fini comme j'ai dit c'est la différence avec le Bayern ça, ça, ça me fout le seum parce que là, là c'est dingue en fait j'ai du mal à avaler voilà. après là c'est 2-0 mais même on doit pas perdre ce match quoi. et c'est des gros matchs depuis le début de la saison on n'a pas perdu mais là première défaite de la saison et voilà tu as vu aussi ces choix comme j'ai dit ils sont bizarres mais bon euh, voilà c'est logique hein. je comprends pas ça m'a saoulé et je sais pas dites moi ce que vous en pensez en commentaire